Je suis avec Eric, qui est un travailleur communautaire qui a travaillé longtemps avec les jeunes, qui s'intéresse aux jeunes beaucoup, qui a participé à l'atelier aujourd'hui. Dites-moi, Eric, quel thème vous a le plus interpellé aujourd'hui, que vous avez trouvé vraiment pertinent pour vous? Ce qui m'a intéressé vraiment, c'est la façon dont les parents doivent se comporter pour pouvoir briser un peu le cycle, si j'ose dire, de la médiocrité dans les familles immigrantes, parce que on voit un peu que ça devient comme un héritage, même pour les enfants qui sont nés ici, mais vu que dans les familles il y a beaucoup de problèmes et par manque de moyens aussi, on voit finalement que les parents arrivent à un point où les parents vont léguer cette même médiocrité à leurs enfants, tant au niveau professionnel et au niveau social. Donc, c'est un peu ça qui m'a le plus intéressé, puisque mon focus est toujours vers les jeunes, malgré qu'on a parlé des adultes, mais c'était plus sur les jeunes. Et puis, est-ce que vous trouvez que c'est un atelier qui peut être utile pour la communauté immigrante? Tout à fait, parce que je pense que le remède est au niveau des parents. Parce que je sais que, comme on dit ici, les parents n'arrivent pas à s'occuper de leurs jeunes, la rue va s'en occuper. Alors, donc je pense que c'est important que les parents assistent à ce genre d'atelier pour pouvoir un peu se repositionner au niveau de leur famille afin que leurs enfants puissent avoir un avenir meilleur.